répétition de la Brabançonne, mise à disposition des programmes, la grande synagogue de Bruxelles s'apprête à fêter un triple jubilé, dont son 140e anniversaire. Nous sommes là à l'endroit, je dirais, le plus sacré de la synagogue, puisque nous avons ici toute une série des rouleaux de la Torah. Construite en 1878 au 32 rue de la Régence, la grande synagogue de Bruxelles est un lieu chargé d'histoire. Vous n'ignorez pas que durant la nuit du cristal, plus de 300 synagogues ont été détruites en quelques jours en Europe. Et pendant la guerre, notre synagogue était menacée. Elle a été sauvée, sauvegardée grâce à l'intervention heureuse de la reine Élisabeth. Ce soir, c'est le roi Philippe qui sera présent pour souligner la contribution de la communauté juive en Belgique, mais aussi renforcer le dialogue entre les cultes et la laïcité. Le drame aujourd'hui, s'il y a tellement de violence dans nos sociétés, c'est parce que de l'autre, nous ne connaissons que des préjugés. Alors, quand on ne connaît pas l'autre, on s'enferme. Quand on s'enferme, on devient grincheux, violent. Et la violence s'appelle la violence. Or, aujourd'hui, notre devoir est de jeter des ponts entre les membres de nos différentes communautés. Et c'est bien ce message fédérateur de paix qui sera rappelé durant la cérémonie, un message éternel à l'image de cette lumière perpétuelle située au-dessus de l'arche.